J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo ouverture de colis. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2018 parce que c'est ma première vidéo de 2018. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Donc pour 2018, je vais essayer quand même de sortir au moins une vidéo par mois. Du moins, je vais essayer parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps ni vraiment des idées de vidéos. Donc aujourd'hui c'est vidéo colis comme je vous l'ai dit. Donc le colis vient du site officiel de Schlesch. Donc c'est les 4 exclusifs de Schlesch 2018. Mais avant de l'ouvrir, je voudrais vous faire part de l'état du colis. Je viens d'aller le chercher à la poste et comme vous pouvez voir, il est défoncé de tous les côtés. Donc il est déjà ouvert en fait, parce que j'ai ouvert pour voir s'il y avait tout. Parce que vraiment l'état c'est pas acceptable. Moi je l'ai dit à la dame qui m'a donné le colis pour dire comme quoi c'est vraiment pas acceptable un colis comme ça. Donc voilà, je vais l'ouvrir, même si j'ai déjà un peu ouvert. À une main, c'est toujours pas facile. J'essaie de pas montrer le côté là, parce qu'il y a mon famille, on va éviter. Donc, voilà. Voilà, donc nous avons la jument Pinto. De toute façon, je vais mieux les ouvrir après. La jument Hanovre. La jument Tinker. L'étalon Traknen et dedans nous avons, on va fermer, on sait jamais qui m'adresse sur la facture, nous avons un schtroumpf, donc sûrement un schtroumpf en cadeau. Ah oui, ça doit être marqué là. En guise de remerciement pour votre fidélité, l'équipe Schlesch. Donc voilà, c'est un cadeau. Bon, pourquoi pas, ça me fait mon deuxième schtroumpf Schlesch. Donc je vais les ouvrir et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de les déballer. Alors ça va, ils sont pas du tout abîmés. J'avais peur quand même qu'ils soient un peu abîmés à cause de l'état du colis. Il y a juste un qui a un problème d'aplomb que je vais vous montrer. Donc tout d'abord je vous montre le schtroumpf, hein. Donc voilà, c'est un schtroumpf normal, ça date. Il est de 2016, donc voilà. Bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà. Ensuite, nous avons l'étalon Traknen. Donc bon, ça fait trop. Je trouve qu'il y a trop de robes dans ce moule. C'est quand même le cinquième, oui, c'est le cinquième. Donc bon, voilà. Sinon, la robe, elle est un petit peu orangée, je trouve. Sinon, ça va. Bon, il n'y a pas trop de nuances. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont l'étiquette exclusive. Parce que Müller n'a plus de partenariat avec Schlesch pour produire des exclusifs. Donc, Schlesch, maintenant, les vend sur son site officiel. Je vous mets le lien du site officiel dans la description. Donc, voilà, il n'est pas trop mal. Moi j'aime assez bien, à part on a l'impression qu'il a des nuances à la caméra, mais en fait il n'en a pas. C'est un peu bizarre. Bon bref, voilà, je le trouve vraiment trop orangé pour mon goût. Donc voilà, sinon il est vraiment pas mal. Ensuite nous avons la jument Hanovre qui elle a, voilà, comme vous pouvez voir, elle a un sacré problème d'aplomb. Il faut vraiment que je règle ça alors qu'il y avait des cartons entre les jambes et tout. Et ouais, faut que je voie ça pour régler ce problème d'aplomb. Donc elle n'est pas noire, elle ressort un peu noire sur la caméra, mais elle est plutôt grise. C'est vrai que je ne savais pas trop si elle était grise ou noire, et elle est grise. Et franchement, c'est vraiment pas mal qu'elle soit grise. Ça fait pas trop repenser à celle qui est du 7 ou celle qui va sortir en mars, avec un 7 aussi. Donc voilà, le seul point négatif que j'ai à lui donner, c'est l'élastique des pions sont de la même couleur que la crinière. Donc je trouve ça dommage, ça aurait donné un petit peu de couleur à sa robe, bah, à son ensemble. Donc voilà, ah, et puis il faut que je règle le problème d'aplomb, mais sinon je la trouve vraiment très jolie. Ensuite, nous avons la jument Pinto, qui elle a les mêmes taches, presque les mêmes taches que l'autre jument Pinto exclusive de 2015 de Müller cette fois. C'est dommage qu'ils aient pris vraiment presque la même tache, quoi. Ils auraient pu un petit peu innover, mais non. La tache, la mienne, est plutôt bien peinte. Bah, franchement, les exclusifs là que j'ai, ils sont vraiment bien peints, donc c'est vraiment bien. Parce que je sais que la mienne de chez Müller de 2015, elle a vraiment la tache est vraiment dégueulasse quoi. Même la crinière, elle est plutôt bien peinte et pourtant je crois que c'est tous des made in China. Donc voilà, aucune nuance non plus. Hein. La neuve avait des nuances, mais elle, aucune. Hein. Franchement, aucune nuance. Le seul aussi un point négatif que je vais trouver, c'est la couleur de ses sabots. Je sais pas, ses sabots ne sont pas du tout travaillés. Et pour les trois, hein, les trois, les sabots ne sont pas du tout travaillés. C'est un petit peu dommage, mais sinon voilà, j'aime vraiment beaucoup dans cette robe-là, c'est plutôt pas mal, même si ça change pas trop de l'autre. Et pour finir, nous avons la jument Tinker, alors vraiment super jolie dans cette robe-là, la balzane est vraiment bien peinte, les balzanes, pardon, sont vraiment bien peintes, vraiment super, bon toujours pas de nuance, mais bon, dans un
Une robe noire, c'est un peu plus dur de faire des nuances. Mais sinon, ça va. Je trouve qu'elle est vraiment jolie dans cette robe-là. Je pense que je vais m'éclater pour la photographier. Elle a une belle petite pelote aussi. Ouais, vraiment, elle est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui concerne les 4 exclusifs de Schlage 2018 en gros. Ils vendent aussi individuellement, qui est marqué aussi exclusif, l'étalon arabe du calendrier de l'Avent de 2017. Donc voilà, les prix sont au même prix que tous les autres chevaux individuels sur le site. Donc si vous voulez les commander, direction le site officiel de Schlage. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces Schlage exclusifs, ces nouveaux Schlage exclusifs. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!